Et plop les gens, de retour sur Factorio. Du coup, on a fait les potions jaunes. On doit lancer la fusée si possible dans cet épisode. Mais ça va être compliqué, ça va être tendu. Je pense que ça sera plutôt au début du prochain. Donc, reprendre le jeu. Et à la toute fin du dernier épisode, il y a Barbu qui nous a raid. Donc, encore merci hein, et bienvenue à tout le monde. Qui a fait un jeu d'horreur avec quelques cris, mais c'est allé. Sur toute la réflexion aujourd'hui. Ok. Alors. Je disais. Tac. Je disais que j'ai besoin de ça. J'ai sûrement besoin de faire ça aussi. On a dit que ce serait cool d'avoir des robots. Les robots. Acier. Punaise. L'acier, je sais plus où c'est en haut. Acier, engrenage, circuit électronique avancé. Je crois que là, c'est un peu. C'est un peu la mouise. Circuit avancé. À la limite, j'ai dû faire des circuits avancés. Mais l'acier, c'est un peu loin. Ouais, ça avance comme je veux. Du coup, il reste 2 heures, comme tu peux le voir en haut à gauche, presque 2 heures. Je me sers de ce timer pour faire des épisodes d'1 heure, à peu près. Même si il y a toujours un petit moment de pause au début, des fois à la fin. Mais au moins, ça fait pas des épisodes de 2 heures et demie. Et ouais, c'est pour le succès, finir en moins de 8 heures. La cuillère n'existe pas en français, le nom du succès. Et comme tu peux le voir ici, par exemple, tous les trucs là, tous les fours qui ont besoin d'essence, c'est parce que j'ai eu une dèche de charbon il n'y a pas si longtemps. Donc là, le charbon est en train de revenir. Mais justement, je parle d'acier, il n'y en a plus beaucoup à cause de ça. Là, il y a du fer vite fait. Compliqué. Compliqué. Ici il y a de. Hein, ici, cette zone-là, c'est pas si mal. Faut juste trouver bien comment faire parce qu'il y a des engrenages qui arrivent. Il y a de l'acier. Il faudrait presque. Il n'y aurait presque plus qu'à remonter les circuits rouges et les faire descendre là et on aurait une fabrique de robots porcs, ça serait bien. Ça serait cohérent. D'ailleurs, parlons du sucre. En parlant de plus d'essence, je peux faire ça quand même. J'ai quelques arbres en trop, je suis pas obligé d'attendre le charbon. Plus ça me pollue la place de mon inventaire, voilà. Voilà. Et du coup, pour tous ceux qui n'étaient pas là, j'avais commencé le défi le week-end dernier. J'ai passé tout le dimanche après-midi dessus. J'avais fait du coup 5 heures en tout cas de VOD, un peu plus en live parce que bah le. Un peu plus en live tout simplement. Le temps de faire quand même quelques pauses. Et là, j'ai repris ce soir un petit peu tard, je l'avoue. Mais on s'est fait livrer un petit peu tard aussi. Donc, le temps de manger, tout ça. Tac, tac. Ça, c'est bon. On a dit. Et ça. Ça, c'est le plus important. Les robots. Enfin. Je sais même pas si c'est important, vu qu'on a déjà fait la plupart maintenant. Ça peut être important si on veut faire quelques upgrades en tapis rouge, ouais, si ça peut être important. Alors, ce qu'on peut faire, genre un truc comme ça. Ah, ça, c'est pas mal. Ça,
C'est franchement pas mal. Juste à mettre un poteau ici, un là. Bon, alors il va falloir de l'acier, tout ça, ce qu'on avait dit. Tac. Ok. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, il me faut. Non, il faut que je mette ça comme ça. C'est lui dont on s'en fout en fait. Si je peux essayer de faire ça. J'en ai plus. Pourquoi j'en ai plus? Parce que j'ai plus de fer sur moi. Voilà. Tac. Non, on va quand même le mettre ici. Ça sera suffisant et le et circuit rouge. Tac, on va pouvoir les mettre là. Du coup, tu penses être dans les temps? Ouais, je pense. C'est pas évident, mais j'ai l'impression je pense avoir ma chance. Alors, hop, on va faire comme ça. Parce que là, je viens de le dire, mais il me reste vraiment plus qu'à lancer la fusée. Enfin, à rechercher ce qu'il faut pour lancer la fusée. Et une fois que j'ai fait la recherche, la lancer tout simplement. Un peu loin là. En soi, on peut faire ça. Comment on peut faire? Comment on peut faire? J'ai pas d'espace. Je n'ai pas d'espace. Alors, 2 secondes. Si je fais ça, ça va des deux côtés. Comme ça, c'est parfait. Ça m'évite de trouver un moyen d'avoir plus d'espace, enfin de casser ici. Ça reste relativement élégant. Le dernier défi speedrun doit être hardcore alors. Non, non, c'est celui-là le plus court, c'est 8 heures. Si je regarde les succès... Tu vois, j'en ai déjà fait quelques-uns, plus ou moins sans les vouloir, donc il reste ici. 8 heures au total. Et celui d'avant que j'ai fait juste avant, les VOD sont uploadés, mais en train d'être publiés. Où faut finir en moins de 15 heures. Donc, spoiler. Voilà. Tac, tac. Oh là là, le jeu à 30 FPS. Ouh, tu sens que c'est lent. J'espère que le timer, là, les secondes, j'espère qu'elle met 2 secondes au lieu d'une. On sent que le PC, il aime pas streamer tout ça, à la fois. Bon, j'ai fait quoi? J'ai fait ça, et j'ai surtout oublié, comme un teubé, de mettre
C'est où? Ça. Hop, il va me falloir des circuits. Ils sont où les circuits? Ah, j'ai pas fait de circuit, d'accord. Le roboport, justement le premier, on va le mettre là. Quoique le premier, on aurait pu le mettre ici. Oh, le poteau électrique, il est gênant au final, c'est dommage. Peut-être qu'il n'y en a pas de nom. Peut-être que ça suffit. Il me faut un deuxième roboport. Je suis bien, mais c'est long à produire. Donc, on va voir. Tac, on va faire comme ça. Parce que ça, c'est long aussi à produire. À mettre tout dans le. Voilà. Accélère. J'ai quoi? Il me manque un petit peu d'électricité aussi. Me manque quelques bras. Bon. Les engrenages apparaissent pas assez vite, c'est pas grave. On va faire 100. Voilà, les premiers robots sont dispo. J'ai rien de prévu pour eux, mais ils sont dispo. Et puis la fusée, tu vois, il faut 60 secondes fois 1000 potions, dont les potions jaunes que je viens à peine de faire. Et bon, 60 secondes, sachant que c'est si c'était un seul labo. Donc il y a là j'ai 30 labos. Il y en a peut-être la moitié qui travaillent, qui sont fournis en potions. Donc voilà, il y a du bien, il y a du pas bien, va falloir, bosser, va falloir voir. Ça bosse pas. Pourquoi il n'y a pas assez d'acier? Il n'y a pas de. Y a toujours pas le charbon. Il n'y a toujours pas de charbon. Hein. Mais moi je veux pas utiliser tout mon charbon parce que. Enfin tout mon bois parce que. Après j'aurai plus de poteaux électriques. Et j'ai pas fait la recherche normalement pour en avoir des meilleurs. Pourquoi ici? Y a plus. Ici. Il travaille au maximum. Ici, il travaille au maximum. Et ici, ils en pompent aussi beaucoup. Mon problème, c'est que dans tout ça, il y a du cuivre, il y a des camps d'ennemis, il y a du fer, il y a du pétrole, il y a de la pierre, il y a re de la pierre, re du cuivre. Et j'ai pas regardé mes VOD pour savoir où. Il y a de l'uranium. J'en ai vraiment pas besoin pour le moment, mais il y a de l'uranium. Et j'ai pas regardé pour savoir où est le prochain camp de charbon le plus proche. Alors, il y en a peut-être un juste là, hein. Ou là. C'est un peu loin d'y aller à pied pour vérifier. Donc voilà. Je suis dans l'attente. Alors où est-ce qu'il manque? Toi qui manque. C'était mon dernier bras. J'ai tout ça. Même ici, tu. Non. En priorité d'entrée, tu prends à droite quand même.
Ça devrait le faire. Pour que eux aient quand même du stock. Si, un truc qu'on peut faire. Un peu con, mais on peut le faire. On peut demander de mettre un robot-port là. On peut demander de supprimer juste les roches, les arbres et les rochers. De supprimer genre tout ça. Tout ça qui est plus ou moins importé. Un peu moche, hein. Mais ça peut le faire. Et si on a bien mis un coffre rouge. Oh, faut que je mette un. Faut que je me débrouille autrement. Et on va me dire. Faites ici. Vous avez le droit de mettre tout le bois que vous voulez. Alors faut que ce soit relié. Donc ici. Et genre ici. Et vous allez avoir le droit de mettre de tout le bois que vous voulez dans ces endroits-là. Ouais, ça devrait le faire. Lui. Ça va nous produire un petit peu de bois, enfin un peu de carburant du coup gratuitement. Les robots qui, au lieu de construire des choses, commencent par couper la forêt. Ce qui va nous faire amener plus de baiters d'autochtones, là, ça va être super. Ici, je filtrais juste ça. Vous mettez pas de bois là-dedans. Tac, tac. Toi, il faut que tu travailles plus vite. Toi aussi. Toi aussi. Aussi. La satisfaction est bonne. Y avoir mis lui suffisamment proche. Voilà, voilà, masse de robots qui vont arriver et qui vont se faire un plaisir de me déboiser tout ça. J'ai évidemment oublié de mettre des bras pour vider les coffres, sinon ça sert à rien de remplir les coffres. On peut faire cette forêt aussi, elle m'a un peu saoulé. Hop. Voilà. Voilà. Ça, mais j'ai pas de charbon. Alors. Faut que bon, j'ai ça qui est en prévision pour essayer de me sortir de mon problème de d'alimentation en consommable. Mais il va falloir aussi je prépare les éléments pour produire la fusée et que je les stocke surtout. Où est-ce que je peux la produire? Je peux peut-être la mettre là, la fusée. Pour faire une fusée, il y a besoin de quoi?
Il y a besoin de carburant pour fuser. Ça va être fait là-haut. Tac. La fusée, il y a plein de trucs qui mettent masse de temps. Genre ça, ça met masse de temps et en plus ça a pas d'entrée. On lui bosse pas parce que lui avance à 2 à l'heure. Oh. Tac tac tac. Comme ça, il y en a quand même une partie qui va aux potions, parce que c'est quand même plus important d'aller aux potions que faire des robots. Même légèrement, enfin c'est. Faut que les deux se fassent. Alors, là, j'ai ça qui arrive. Je vais faire le gros sac, mais je vais faire en sorte que les éléments de fusée arrivent ici. Alors, non, on va faire le tour. Hein. On va faire le tour. Voilà. Hop. Eux qui mettent 150 000 ans à se faire, ils sont où? Là. Non, ceux-là. Processeur et module de vitesse. Donc les processeurs. Hop. Les modules de vitesse. Voilà. Oh là là. Les falaises. C'est relou les falaises. Hop. Et. Voilà. Ok, c'est tout bon. Donc ça. J'en ai plus, ok. J'en veux plein. Machine. Quoi? Ah oui, je peux faire ça aussi, c'est vrai. J'avais oublié. Ça consommera un peu moins de potions jaunes. Consommera un petit peu moins de potions jaunes, mais ça produira plus de science. Nanana, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Des engrenages, de l'acier, de l'acier, de l'acier, de l'acier. Il faut de l'acier pour tout. Voilà, ils ont bien déforesté. Après, quand je dis qu'ils ont bien déforesté, je vois qu'ici, ici, il y a un peu de stock, ok.
pas dans l'autre. Je vais les répartir un petit peu plus équitablement. Juste parce que sinon... Est-ce que je peux faire un truc du genre... Je peux, mais c'est pas ouf. Je peux faire ça. J'y avais pas pensé. Tout de suite, en tout cas. Je peux le faire. De l'acier, de l'acier. Il me faut de l'acier. Il faut de l'acier pour tout le monde, de toute façon. Alors, maintenant que j'ai de l'acier, je voulais faire des machines rapides. Dans les machines rapides, je veux produire des unités de contrôle de la fusée. Voilà. Parfait. Voilà. J'ai donc mes... enfin, une partie des unités de contrôle de la fusée. J'ai une partie des... structures à faible densité. Désolé si ça bouge beaucoup. Il va me falloir le carburant pour la fusée. Du principe qu'au pire hein, ça se met là, il va falloir du coup ramener ici l'essence pour la fusée. On peut mettre une ampoule électrique. Que j'en ai pas fait alors que j'avais dit que j'en ferais au moins parce que je suis en stream. Et que sinon on voit pas grand chose et que c'est pas cool. Mais j'en ai jamais mis au final. On peut le mettre là. Voilà. Au minimum. Et il va falloir du coup... Alors... Il faut du combustible solide et du pétrole léger. Mais pour faire le combustible solide, il faut le faire soit à partir du pétrole léger... Soit à partir du gaz pétrolifère, soit à partir du pétrole lourd. Le plus rentable, c'est à partir du pétrole léger. Oui. Est-ce que j'ai quelques moteurs pour moi, sur moi pour faire quelques... j'ai pas de moteur. J'en ai 30 en fait. Peut-être trop 30, peut-être que j'en avais en fait.
Parce qu'il va falloir faire quelques pompes pour orienter tout ça. Est-ce que j'ai des... Non, je peux pas en faire non plus. Il me faut de l'acier. Il me faut de l'acier. Si t'arrêtes de me dire ça, oui, je veux réparer des trucs. Vas-y, va réparer. De l'acier, on a dit. Qu'il m'en faille un peu plus, donc on va en prendre un peu plus. Alors les tapis, il va falloir que je refasse descendre, donc je vais en avoir besoin. Les bras, j'en ai pas mal. Ça, je peux en reprendre. Ça, je peux en reprendre. Les toyaux, je peux en reprendre 200. Parce que oui, c'est plus des tapis. Ça va venir avec des tapis, donc c'est bon. Ouais, bon. On va voir. On va voir. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai d'autres, des trucs comme ça. Tac. Ouais, pile poil, mais c'est un poil mieux de faire comme ça. Parce que du coup le flux sort directement ici au lieu de d'abord passer par là devant ces machines qui pourraient le prendre. Là. Donc avec ceci. Je vais avoir besoin de faire ça. Mais j'ai jamais assez de pétrole, quoi. Oh punaise. Et la moitié de mes puits qui ont jamais travaillé, c'est pour ça aussi. Je me disais que c'était vraiment peu ce que je fournissais, et puis là je viens de voir qu'il y en a qui bougeaient pas. S'ils bougent pas, c'est qu'ils bossent pas. Même eux, ils bossent pas. Oh là là, j'ai essayé de faire vite, j'ai fait ça comme un sagouin. Alors.
qu'on voit ce qu'on fait, ça sera mieux. Si là il y a le truc. Ah non, c'était lui. Là, tout cela se lance. Et ils ont tous l'air de bosser. Voilà. Déjà un peu mieux. Donc j'ai plus tant de problèmes de pétrole que ça. Peut-être. Moins que juste avant. Vu que j'en pompe 2-3 fois plus vite. Ça aurait été pratique de l'avoir avant. Oui, là toutes mes machines fonctionnent. Toutes mes raffineries fonctionnent. Bon. Le problème c'est l'électricité, mais ça c'est autre chose, on verra plus tard. Du coup, lui il est en train de se remplir à fond. Et vous, vous produisez ça, vous pouvez mettre ça. Alors où est-ce que c'est le plus pratique? Non, c'est, le plus pratique c'est quand même ici. Voilà. Et on va descendre ça un peu beaucoup, genre jusque là. Hein. Hop. Et là. Ah non, j'ai peut-être trop descendu d'ailleurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah. C'est à l'envers. Voilà. Hop, on met un tuyau qui rejoint tout ça, on met des potals. Alors les poteaux, on les met jusqu'en haut. Et ici. Voilà. Ouais, ça je pense qu'il en faudra un peu plus. C'était où? C'était surtout pas ça. Ça. Voilà. Et donc là, on devrait avoir nos premiers carburants pour fusée. Et il n'y a plus qu'à descendre tout ça avec le reste. Normalement, oui, normalement maintenant, je pense que je peux dire que je suis relativement bien. Pas du tout si le ratio est bien ou pas. Je pense qu'il est pas ouf, mais c'est pas grave.
Comment je vais passer tout autour de mon usine? Autrement, je passe par la gauche. Hein. Que là, je peux. Là, je peux. Là. Là. Ouais, c'est faisable. Ah, punaise. Il va me falloir masse de plaques d'acier. De fer. Alors, les moteurs ont l'air tous travaillés quand même. Je vais aider à produire. Ah non, c'est seulement à gauche, seulement à gauche. À faire quelques engrenages. Alors là, oh, il peut pas. Ah, pas cool. C'est pas cool, il n'y a pas la distance. Est-ce que je peux. Je peux en faire un comme ça au pire. 1-1. Il fait un peu plus de 1. Mais ça va me faciliter les choses. J'ai pas besoin de la vitesse. J'ai besoin de la portée améliorée. Tac. On a dit qu'on pouvait passer par là, je crois. Tac. Ouais. Alors. Tac. Tac. Non. Il est où? Il est où l'améliorer? Il est là. C'était juste, mais ça va le faire. Donc ici on a là, cette forêt là, si on peut éviter de la buter, c'est pas si mal. On va pas tout faire pour. Désolé, mais la forêt reste le pire ennemi du jeu. Et ben voilà, il faudrait prévoir pour faire le silo à missiles à fusée, parce que je viens à l'instant de me souvenir qu'il est pas gratuit, un tout petit peu long à faire mais ça va, mais surtout qu'il y a aussi besoin de choses d'avance, bah, des processeurs, des plaques d'acier ou... Des processeurs, des plaques d'acier d'avance. Des moteurs électriques. Des tuyaux, ça va aller. Sans tuyaux et du béton. Alors, on va commencer par le béton. Parce que c'est un truc un peu chelou. Alors, le béton, il faut du minerai de fer. De la brique en pierre et de l'eau. Donc la brique en pierre est là, le minerai de fer il y en a là.
Du coup, ici, c'est l'endroit parfait. Il faut juste ramener de l'eau. Béton. Et l'eau, où est-ce qu'on en a au plus proche? Je dirais par ici. Oui. Alors. Yo, les tuyaux, ouais, ça va. Les tuyaux. Tac. Venir directement depuis ici. Ça fera un plus joli raccordement. Et un tuyau là. Et quelques tuyaux ici. Ça, on y met dans un coffre comme ça. Ça va se stacker par combien? On va dire que ça va se stacker par 100. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Donc on en veut tout ça. Voilà. Ça c'est dit, c'est fait. On veut aussi des moteurs électriques. Attendez, je vais d'abord poser ça. Comme ça, j'oublie pas. Voilà, on veut. On veut 200 processeurs. Sachant qu'on en voudrait aussi autrement. Donc, il va nous falloir stocker des processeurs. Tac, tac, tac. Mais je peux pas les prendre d'ici. Quoique. Quoique, je peux les prendre à la fin ici. Là, j'en stockerai déjà beaucoup trop. Mais il va m'en falloir quelques-uns aussi parce que j'aimerais avoir des modules de productivité. Ça aiderait. Voilà. Sans rentrer dans le détail, ça aiderait. Ensuite, on a besoin de 200 moteurs électriques et de 1000 plaques d'acier. 1000 plaques d'acier, je crois que... On va pas se faire prier. Alors. De toute façon, ici, il n'y en a quasiment plus. Eux, on finit de bosser. Non, non, il faut... Ils galèrent. Très bien, Trixia. Je me redresse. Non, c'est celui-là. Voilà... qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, bon bah cette forêt, elle est bien mignonne. Ça va rien rapporter. Ça va pas rapporter grand chose.
Ouais, l'électricité, je crois que c'est un peu plus important que faire tout ça, mais si j'ai pas mes plaques d'acier de côté et mes moteurs électriques, ça va quand même pas le faire, donc... Donc on va préparer quand même. Et juste après, on part en expédition, on va faire une voiture. Est-ce qu'on peut faire une voiture tout de suite? On n'a pas débloqué la voiture. La voiture, on va la faire, voilà, ça va pas prendre beaucoup de temps, ça va pas prendre beaucoup de potions. Enfin, ça va même pas prendre de temps en soi, parce que ce qui manque, enfin, les potions jaunes sont manquantes. C'est ça, 200. Donc nous disions, ben, j'ai plus mon repère, il est là. C'est bon, je crois que tout sera dans des coffres. D'ailleurs, coffres que je n'ai pas marqués. J'aime bien marquer les coffres comme ça. Si jamais on est de nuit, ben, on les voit immédiatement, et de jour, on peut voir là où il y a des... à la fois où il y a des coffres et des... choses, lampes. Donc 1, 2, 3, 4, et je crois que c'était bien 4 éléments pour faire la fusée. Ah non, il manque les tuyaux, oui. 5 éléments pour faire les tuyaux et pour faire la fusée. Voilà. On va pouvoir en mettre là. Là. Voilà. Dans le chat, ça rigole parce que j'ai... parce que Trixia a utilisé ses points de chaîne pour me dire d'avoir le dos droit. Et ma réaction que vous avez entendue tout à l'heure. Et un barbu qui lui demande si elle a le dos droit. Oui, mais ça... il n'y en a pas besoin d'autant, il n'y en a pas besoin d'autant. Il n'y en a pas besoin d'autant. Trop. Ouh. Je sais pas si vous entendez racler depuis tout à l'heure, mais c'est mon petit chat qui tape dans sa litière pour cacher son caca. Et elle a beau taper depuis tout à l'heure, je viens de sentir l'odeur, c'est pas agréable. Heureusement que le stream ne diffuse pas les odeurs. Hein. On est bien, on est très bien. Alors. Tac, 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 tac. On a dit qu'il fallait la voiture. Elle est où la voiture? Elle est là. Elle est là. Alors ici il y a des zones vertes ici. Il n'y en a plus beaucoup. Où est-ce qu'il y a beaucoup de... d'arbres, ouais, ce serait ici. Ça m'arrangerait en plus de les avoir, ceux-là. Donc ce qu'on va faire... On essaie de se mettre au maximum de la portée à chaque fois. Voilà, et on va leur dire déjà
attaquez-vous à cette forêt-là. Moi, la voiture. On va la sortir de la poche. La poser là. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup de charbon, mais je vais devoir en récolter un peu. Il y avait des munitions. Tac, on prend la moitié aussi. Et on va où? À droite, en haut. En haut, c'est compliqué. À droite, ce serait pratique. À gauche, non. Du coup, on va visiter à droite, voire en bas. Alors, l'armée qui va couper les arbres. Ça va être marrant. Alors. Espérons pas croiser beaucoup trop d'arbres ni de cailloux, voilà, juste quand je le dis. Bah voilà, du charbon. C'est quand même pas si loin que ça des camp baiters, surtout celui-ci. Si je pense que je peux. Voilà. On va dire qu'on l'a stérilisé. Il n'est plus en état de... Ils ne sont plus en état de se reproduire. Celui-là en bas, il va être un petit peu plus gênant. Il y en a un qui me court après là-haut. Voilà, on l'accueille. On va quand même tout prendre, on sait jamais. Non! J'ai pensé trop tard à bouffer mon poisson. À bouffer mon poisson. Alors. Je vais devoir y retourner à pied. Attendez, est-ce que je peux... Non, je peux même pas me faire une meilleure armure. J'ai pas recherché de meilleure armure. Parce que je peux, sinon... Qu'est-ce que je peux faire? Je vais poser mes machines, mes mineuses. Je vais... Ramener les tapis, ramener l'électricité. Faut que je l'entoure de tourelles sûrement aussi. Si possible quelques murs, mais j'ai pas forcément de murs d'avance. Du coup, juste quelques tourelles, ça peut quand même faire l'affaire. Au moins temporairement. Et en parlant de tourelles, j'aurais pu en mettre une juste derrière moi pour me protéger. Alors, où est mon cadavre? Là. Très bien.
Voilà. On est plutôt bien. Non, non, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Ok, Ok. Donc on a fait un nid. Il reste encore 3, dont un qui est caché au milieu. Mais bon, à la limite, s'il en reste plus qu'un, normalement, ça veut dire qu'il y aura moins d'attaques. Combien de balles? Beaucoup. Ok. J'ai plus beaucoup de poissons, moi, par contre. Ouais, non, c'est là, je vais éviter de m'y attaquer. J'ai même pas pris de mineuse de rab. Pas grave. Alors ici, on va se mettre un là. Parfait. Si je l'aligne, c'est ici. Non plus. C'est magique. Je vais chercher ma voiture quand même. Sinon, je vais faire beaucoup d'allers-retours à 2 à l'heure. Elle est où? Elle est là. Oula. Oula, ma souris qui va trop vite. Voilà. Nombre de petits cadavres. On peut mettre une tourelle ici. Peut-être les aggro un peu vite, mais au moins ils seront en train de dans le labyrinthe de la forêt. Ouais. Voiture, viens avec nous.
C'est là où on regrette de pas avoir les robots avec nous. Ici. Tac, on pourrait redescendre jusque là. Et après repartir ici, ça m'a l'air correct. Hop. Mais derrière ça, ok. Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'elle s'attaque à ma manette maintenant, qui est posée sur le PC. Je sais qu'elle aime bien les grilles du PC pour faire ses griffes, mais bon. On va dire que je ne suis pas autant fan qu'elle. Alors on va voir si je repère le même endroit. Je crois que c'est là. Ça fait un peu un crâne. Tac, ça m'a l'air correct. Et il reste plus qu'une heure. On n'a plus d'électricité. Il nous reste du temps de recherche. Donc je suis bien, mais... Tout n'est pas garanti. Et c'est sur ces paroles que je vais terminer cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous mettra en haleine pour savoir si je réussirai à lancer la première fusée dans le prochain épisode. Voilà. N'hésitez pas à faire vos paris dans les commentaires si vous ne l'avez pas déjà fait dans les épisodes précédents. Et je vous dis à très bientôt.